Salut tout le monde, aujourd'hui je suis pas contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je devais faire depuis pas mal de temps et je me lance enfin pour la faire. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo des vidéos que je faisais quand j'étais petite. Voilà, puisque quand j'étais petite j'avais eu pour mon anniversaire ou pour Noël, je sais plus, une petite caméra mais vraiment de qualité médiocre de ouf. Et je m'amusais à faire des petits films, à raconter ma vie, et je voulais vraiment vous montrer ça puisque j'ai retrouvé ça il y a pas longtemps. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous montre ça. Ensuite on ira aussi voir les premières vidéos de ma chaîne, puisque ça fait presque 2 ans que je suis sur YouTube. Donc je me suis dit pour fêter ça on allait voir un petit peu les débuts de ma chaîne, parce que c'était pas toujours hyper top. Voilà, je pense que c'est comme ça pour tout le monde hein. Le début c'est toujours un petit peu compliqué. Là j'ai vraiment hâte, donc là on va commencer par les vidéos que j'ai prises avec ma petite caméra. Et je vous dis, je devais avoir 10 ans, 10-11 ans à tout casser. Pourquoi c'est une vidéo? Oh non! Si vous avez déjà vu mon frère sur ma chaîne, j'avais fait 2 dégustations avec lui et une vidéo Blowser Tag. Vous voyez qu'il a complètement changé, il avait fait une teinture noire, c'était dégueulasse, c'était horrible. Et on peut constater aussi la haine dans ses yeux. C'est un truc de ouf. Attendez, je remets le passage. La haine qu'on voit dans ses yeux à ce moment-là. Regardez la haine! Il avait trop envie de me frapper. La voix en plus que j'avais, le rire et tout. Alors ça, j'ai particulièrement honte parce que quand j'étais petite, j'adorais les peluches. J'en avais des centaines. Et je m'amusais à les faire parler. Voilà, voilà. Je pense qu'on a déjà tous fait ça quand on était petite, mais voilà quoi. C'est un petit peu ridicule. Franchement, sur cette vidéo, j'ai vraiment honte parce qu'en fait, mon frère participe aussi. Et c'est lui qui fait les voix et moi, je suis en train de filmer et puis genre... Bref, c'était n'importe quoi. Alors, parti. T'es où? C'est ma fille. C'est moi. Je n'ai pas d'amis, je dors pas comme ma mère. Il y a des cartes comme ma mère qui m'aime. Théodore, c'est comme une mère. Sophie, mais bonjour. Moi, tu te dis. Okay. Non mais ouais, je fais pitié. 2 secondes les gosses, wesh, bon. T'as cru que tu les avais pondus ou quoi? Je fais pitié. T'aimes quoi? T'aimes quoi? Comment tu parles mon frère? Moi, enfin, j'aime les poupées. Parce que t'es pas un copain. Parce que t'es pas un mec et des poupées. Aïe 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 aïe. Je me rappelle, on avait pris un téléphone je crois, et dès qu'il y avait la scène j'avais appuyé sur play et c'est pour ça que vous entendez une musique dans le fond pour faire une scène un peu dramatique. Bref, on va couper. On va passer aux vidéos vraiment qui me foutent vraiment à la honte, puisque je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai pris ma caméra et j'ai fait comme si je parlais à un vlog, voilà. Et je disais que, enfin, en fait je faisais un message pour les anciens propriétaires de ma maison en disant que c'était une maison de merde, qu'il fallait pas la prendre. Voilà, parce que j'aimais trop ma maison et que pour qu'ils l'achètent pas, bah, je disais de la merde sur ma maison. Voilà. Et alors, en fait, j'avais espoir qu'ils trouvent ma caméra. Enfin bref, j'imaginais un film dans ma tête, c'est pas possible. Ah voilà. Alors bonjour, banane. J'amène les bouchées à ce moment-là. Alors, salut. C'est moi, Régine. Si tu vois cette vidéo, c'est que, bah, sûrement que t'as pris mon Neptech. Je veux dire que, bah... Ceux qui ont emménagé ici, eh bien, ils ont eu tort. Cette maison est vraiment pourrie. Vous allez vous en regarder deux. Oh, je suis trop la meuf, comment je parle et tout, c'est un truc de ouf. Eh ouais. Eh oui, je m'en bats. Hein. Je fais des plus gros plus, c'est un truc de ouf. Donc voilà. Je vous souhaite quand même un bon séjour chez vous. Je vous souhaite quand même un bon séjour chez vous. Parce que vraiment. Eh. Pourquoi je fais un gros zoom sur mon œil là? Franchement. N'aurez pas dû nous piquer notre maison. Vous le regretterez. Vous n'aurez pas dû nous piquer notre maison. Vous le regretterez. Oh non, la meuf. Là, c'est des vidéos, par contre, vous allez vouloir me tuer. Même moi, quand je l'ai regardé, j'ai voulu me trucider. Voici la suite de ma maison est-elle pourrie. Ma maison est-elle pourrie. Ça, c'est à moi de régler les choses. Alors. On a ici. Oh non, le bordel. Normal. Ça n'a pas changé. Hein. Vous allez me dire.
Mais elle est jolie, ma chambre. Vous n'avez pas tort. Ouais, je suis partie. Vous êtes jolie, ma chambre. Il y a des jeux, des posters magnifiques, des tableaux, des cartes, des jeux de société. Désolée, ça fait tellement pitié. Mais bon, bref, on va arrêter là. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Il y avait mon frère avec nous. Joyeux anniversaire, Timothy. Non, il rigole. Bêche les oreilles. Qui veut manger de la soupe? Qui veut manger de la soupe? Les cadeaux, ta mère. Pour voir le cadeau, ta mère. Celui qui va le premier au cadeau, c'est lui qui ouvre le premier. Oui, attends, les trucs forts. Boum, 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 boum. Quelques pas qu'il faut, quelques jeux qu'il faut. Trop tard, au revoir. Bah, tout, ma batterie est faible. Ma batterie est faible. Ok. Donc, on va passer à ma chaîne. Voilà les premières vidéos de ma chaîne. Donc je dois vous dire que je vais faire une FAQ Snapchat. Donc à l'heure où je mettrai la vidéo, je vous aurai mis un post sur Instagram pour que vous posiez vos questions. Donc allez checker ça, je vous mets mon Instagram ici. Donc allez voir ça et posez-moi toutes vos questions. Donc voilà. Ensuite passer à mon premier Get Ready With Me pour Noël. Voilà, qui est un petit peu nul à chier, on peut se dire. Donc je lève super tard, même à Noël, donc voilà, je suis une grosse. En vrai, qui se réveille comme ça, même le jour de Noël? Moi, même le jour de Noël, je suis au bout de ma vie parce que je dois me lever. Genre, il n'y a personne qui se réveille en mode sourire, c'est pas possible. Que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, je suis pas une pro pour tracer mon sommeil. Comment je galérais de ouf avec le liner avant, c'était un truc de mal, tu veux galérer. Mais maintenant, c'est hop, hop, c'est terminé. De m'améliorer, j'ai envie de dire. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'adore faire, de tracer le liner, surtout dans les fêtes. Je crois que le pire en fait c'est qu'avant je faisais pas de virgule et du coup ça faisait hyper moche, ça m'aurait tissé l'œil de malade, donc c'était pas voulu. La deuxième robe, elle est trop chou, cette robe. Cette robe là, et moi je l'ai encore, mais elle est trop courte. Je la trouve super élégante. Parce que j'ai grandi, oui. Super beau. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'ai adoré regarder ces vidéos avec vous. Voilà, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.